Exactement, le boulot a été fait. On attendait ce match. Je pense que le score parle pour nous ce soir, heureusement. C'est vraiment beaucoup de bien. On continue notre série, c'est pour moi les supporters, ça fait du bien. Je pense qu'ils le méritent tout autant que nous. Ils ont toujours été derrière nous pendant ce mois de septembre compliqué. Là, ça, on va bien savourer, bien profiter ce week-end, bien se reposer. Et attaquer la semaine prochaine fort parce qu'on ne perd pas notre objectif, il faut continuer. Pour continuer à gauche, ce ne sera pas facile du tout comme ça l'a été aujourd'hui. T'as ajouté un pénalty, arrêtez à tes stats. Ah, on va dire ça, ça fait du bien. Hein. C'est bien. Qui porte fièrement ses couleurs avec une chouette sur le cœur? Dijon, Dijon. On va s'imposer face au leader. Dijon, Dijon. Nous, les terribles guerriers du Genève, poussons notre terrible cri de guerre. Le scénario, je sais pas, mais en tout cas, la victoire, oui, on l'a rêvé, on a travaillé pour. Après, un grand, grand bravo au groupe, aux joueurs qui ont démarré, aux rentrants,
aux joueurs qui s'entraînent avec nous aussi, qui nous font faire des semaines très cohérentes. Je l'ai dit en conférence de presse, il y a beaucoup de gens qui sont pas loin. Aujourd'hui, c'est le groupe du DFCO qui gagne. Enfin, c'est une équipe avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de qualité. Le scénario du match nous a souri. Je le prends volontiers et félicitations encore aux joueurs.